temps, la route là nous fatigue beaucoup. Bon, parce que c'est la saison de pluie aussi. La route est totalement dégradée. Bon, ça nous fatigue, ça crée aussi une grande embouteillage sur ces routes-là. Parce que Bambeto est en sentier, bon, beaucoup de personnes dévient par ici. Et si la route n'est pas bonne, ça crée une embouteillage. Et ça fatigue nous aussi, nous les motards, que ce soit les motards, les taxis, véhicules, même les personnels, ça les fatigue. Parce qu'au niveau du train-gare là-bas aussi, ça crée une embouteillage. Il y a des grands trous, on demande au gouvernement vraiment de venir en aide ici. Celle du TP de venir, parce qu'il y a beaucoup de radios aussi qui sont passées ici. Bon, on souhaite qu'ils vont venir nous aider ici. La route là, fatigue normal. Ça garde la moto et puis même si tu vas au lavage, tu passes ici, deux voyages seulement, ça trouvera que la moto est totalement sale aussi. Et ça crée des pannes aussi. Parce que si la route n'est pas bonne, ou les amortisseurs ou autre, tu vas rentrer à la maison fatigué. Mais si la route est bonne, tu peux partir normal et puis le client aussi est satisfait. La déviation est totalement dégradée. Donc c'est quelque chose que la population réclamait à chaque fois, que la route était dégradée. Mais on ne savait pas passer par qui, on ne savait pas passer par qui pour lancer un appel aux autorités. Donc c'est une très belle occasion pour nous de vous voir ici aujourd'hui, afin d'exprimer nos mécontentements vis-à-vis de ce problème. Et la route est totalement dégradée, comme vous-même avez constaté, non ? Donc la route est totalement dégradée. Nous lançons un appel à l'État, aux autorités de notre pays, de nous venir en aide. Puisque la route a été faite, je crois bien, entre 2010 et 2011. Donc, mais beaucoup de parties, il y a de ces niveaux qui sont totalement dégradés. Donc l'État n'a qu'à venir en aide, puisque la route est totalement pratiquée. Si vous voyez les véhicules ici le matin, que ce soit le matin ou dans la soirée, la route est gravement pratiquée. Puisque les véhicules qui devraient passer par Bambeto, beaucoup de véhicules passent par cette déviation ici. Donc ils n'ont qu'à venir en aide à la population. Parfois les motards veulent doubler des taximètres dans les zones qui sont détruites là. Donc les taximètres aussi évitent les trous, puis ils percutent des motards. Parfois il y a des accidents quand même, c'est pas trop fréquent. Avant la fin de cette année, aucun véhicule ne pourra passer ici. Si vous avez remarqué, de l'autre côté là-bas, au niveau de la gare du train, c'est complètement dégradé, complètement. Nous faisons cet appel à l'État pour qu'il puisse venir en aide à la population de Colomo. En tant que responsable du quartier, j'ai trop signalé ça. Parce que les seules routes qu'on a bitumées, autant de Contre, autant de Alpha Condé. C'est pourquoi on a donné le nom de cette rue Ba Mamadou. Alpha Condé a dit de donner ça à Ba Mamadou. Rue Ba Mamadou. Du château jusqu'au Kankalifou. Qui revient à Kouza, vers Kouza. Cette route-là est dégradée complètement. C'est d'ailleurs le calvaire d'ailleurs. Les véhicules, sauf le camion qui passe maintenant. Là. Bon, depuis lors, maintenant, on a signalé de faire au moins l'ouverture, au moins deux routes, de faire l'ouverture des routes chez nous, dans notre quartier. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas eu le temps. Si je l'ai voulu, on a occupé notre quartier. Tout le quartier qui est là, Dar es Salaam, a eu des routes. S'il faut des, oui, ouvertes, on a bitumé les deux routes là. Bon, quand on dépasse à Colomassi, on va à Kosa. C'est bitumé de Kosa maintenant, X temps, jusqu'au Kapour là-bas, tout est bitumé, jusqu'au Bandara 1, Bandara 2, Bandara 3, tout est bitumé. Mais chez nous, ici, il n'y a même pas de désenclavement, tout est enclavé.